Vous avez expliqué avec Mika face au micro de Julia et Julien tout à l'heure sur France 3 à quel point chaque euro était important. Pour la recherche, ça se compte en dizaines de milliers d'euros, mais pour les essais, ça se compte en millions d'euros. Exactement. Et pour autant, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petites manifestations, animations sur le terrain. Je sais que vous avez été très, très nombreux pendant cette journée et vous allez continuer à animer toutes, toutes les communes, tous les villages. On me dit que les places de village sont trop petites, que les salles des fêtes sont trop petites, que vous participiez même des villages qui ont subi malheureusement les inondations. On dit, mais malgré tout, on fait. Et je sais aussi que malgré tout, même si parfois pour certaines et certains, c'est un peu compliqué, vous allez faire et vous allez être à nos côtés pour booster plus que jamais le compteur, par comme l'a annoncé Nagui tout à l'heure. Un exemple, par exemple, on a vu une victoire sur Sacha et on sait qu'avec des euros dont on a besoin, quelques milliers d'euros, on pourra peut-être traiter aussi 60 enfants qui attendent pour la même maladie. Oui, et pour aussi d'autres maladies, puisqu'il y a 40 essais chez l'homme qui sont en cours. Pour 30 maladies, hein, c'est ça Pour plus de 30 maladies différentes. À chaque fois, un essai, c'est forcément un espoir. C'est pas seulement un espoir, d'ailleurs, c'est une conviction, parce qu'aujourd'hui, on sait que ça marche pour certaines maladies, ces thérapies très innovantes. Donc, il faut pouvoir les multiplier pour plus de maladies et pour plus de malades. C'est ça aussi le défi et le challenge tenter de ne laisser personne au bord du chemin. C'est vrai que c'est la, la question, question. Que, les, que les familles vous posent après le téléthon. Vous recevez plein de coups de téléphone et c'est bien normal. Et nous, et pour nous, c'est pour quand Et pour nous, c'est pour quand Et on entend, d'un côté, on a les familles qui disent, et pour nous, pour mon enfant, pour mon proche, c'est pour quand Et de l'autre côté, on a les chercheurs qui disent, la route, elle est tracée maintenant, avec notamment ses premières victoires, ses premières maladies. On sait comment pour cette maladie, on doit s'y prendre. C'est quelque part juste une question de moyens. Donc ces moyens, évidemment, on sait que c'est avec ce compteur qu'on va pouvoir apporter aux chercheurs les moyens qui sont nécessaires pour continuer d'accélérer le chemin du médicament.